naissance battent leur plein et toujours aux horaires où il ne faut pas, c'est-à-dire le matin, au départ du pastoralisme. Et là, il est 9h35, Eric vient de partir à une demi-heure de chez nous pour aller amener une chèvre en césarienne. Il y en a plus d'une demi-heure d'ailleurs, pratiquement trois quarts d'heure, parce que notre clinique veto qui est à 20 minutes, sont dans une opération de chien qui va durer jusqu'à midi. Donc ils ne pourront pas, encore une fois, prendre en charge rapidement nos animaux, ce qui fait qu'on a beaucoup de pertes quand c'est comme ça à chaque fois. Les prises en charge sont trop longues. Et donc il y en a pour la matinée, ça veut dire qu'on n'est pas parti encore à un pastoralisme. Bon, là ils sont chez eux, c'est que très loin d'être toujours le cas. Ça suffit Almeda. Arrête Almeda. Remplacer Eric, j'étais à peine parti il y a quelques minutes, je faisais un petit peu de verdure et Eric m'appelle me disant que les chèvres m'ébattent. Je reviens sur mes pas, il va chercher la voiture puisque je n'ai pas le permis, il va venir chercher la chèvre et on refera échange après. Je vais les garder pour pas qu'elles s'en aillent en attendant. Et, allez. Bon, alors les biquettes sont là. Où est Kaline? Ma puce. Je vais mettre bas. Bon, mais pour le moment, la chèvre, elle n'a pas de contraction. Eric la voyait juste gratter au sol pour se coucher. Ben, elle gratte au sol pour se coucher parce qu'elle a déjà mangé. La mise, elle avait sauté, elle était dehors pendant la nuit, comme elle fait un peu trop souvent. Étant donné que les fenêtres et tout ne sont pas adaptées sur la ferme, il n'y a rien qui ferme correctement. Donc, pour l'instant, pas de signe de mise bas. Mais que c'est-il à toi? Идиотовна.
J'en profite pour donner des nouvelles du Bobcat. Au bout d'une semaine quasiment de panne, le réparateur est venu hier et c'est un problème de frein. Le frein ne se désenclenche plus. Le problème n'est pas mécanique, le problème est électrique et il n'a pas pu régler sur place parce qu'il faut qu'il recherche le manuel électrique du Bobcat. Il ne sait pas si ça vient des fils, de la commande, donc il va rechercher ça et il va venir la semaine prochaine. Donc moi, pour pas rester sans Bobcat encore 4 ou 5 jours, il m'a déconnecté le frein, ce qui fait que je n'ai plus de frein sur le Bobcat. Donc c'est uniquement quand Bobcat est à l'arrêt, que le moteur tourne ou qu'il ne tourne pas, il n'y aura pas de frein. Là, il faut que je me mette sur du plat et que je mette des cailloux aux roues pour sécuriser tout ça. Mais bon, je vais du coup pouvoir réutiliser le Bobcat en faisant attention. Ben là, je peux pas vraiment faire mieux, il me faut repartir. Je vais charger ça et je retourne vite à la ferme. Bon, le chemin est quand même mieux, mais là, il me faudrait couper, c'est un peu bas pour le passage du tracteur, mais on verra une prochaine fois. Maintenant, je dois charger, enfin charger, j'ai tout ramené, mais ça ne tient pas sur la fourche. Il faut compresser en fermant la fourche. Je vais l'incliner et ramasser tout ça. Il faut que je parte au plus vite. Et Eric se met en route, même s'il est loin. Il faut absolument que je rentre au plus vite. C'est pas évident de voir le chemin. Il faudrait ouvrir le volet au-dessus de l'étage des chèvres, sauf qu'il faut marcher sur le plancher qui est comme ça, ou la poutre qui est comme ça. Il faudra essayer d'aller ouvrir une fenêtre pour que l'air puisse passer, étant donné qu'il n'y a aucune ouverture sous terre sur la moitié du bâtiment. Donc c'est une fournaise. Tout ça pour essayer de faire un peu d'air et ouvrir ce volet qui est au-dessus de la chèvrerie. Et ça a été un des rares volets, ainsi que celui-là, que leur propriétaire a refait sur toute la ferme. Je viens de faire les sabots de notre petite trésor et là on l'amène voir son fiancé, King Luxor.
Bon, ben on l'a amenée juste à temps, elle est en chaleur.